Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec un génial Tonton Mwinga 16 mm. Papa, la Kevin, hein. Agence 16, j'étais à Mila, Bazapo, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 5 monde et des plus scandaleuses. La dynamique pour la vérité des urnes, DVU, exprime son indignation face aux propos pour les moins curieux de M. Félix Tshilombo, notamment sur le tribalisme, les résultats des élections du 30 décembre 2018 et la corruption, affaire de 15 millions de dollars. De 1. Monsieur Félix Antoine Tshilombo prétend que le président élu Martin Fayulu aurait lancé des appels à la haine tribale, à la suite desquels deux Congolais auraient été tués. La DVI met au défi Monsieur Félix Antoine Tshilombo de rappeler à la conscience nationale un seul mot, un seul propos, une seule parole, un seul discours du président élu Martin Fayulu, où il est question d'incitation à la haine tribale ou d'appel au meurtre de Congolais appartenant à la même tribu que lui. La DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de publier, dans le meilleur délai, un rapport d'enquête qui révèle, dans le détail, ce meurtre tribal et dont l'incitateur serait le président élu Martin Fayulu. La DVI se réserve le droit de tirer toutes les conséquences de ces imputations gravement dommageables. Pour la DVI, un homme d'État n'a pas une communauté tribale ou régionale, car sa communauté, c'est la nation tout entière. Monsieur Félix Antoine Tshilombo, ayant compris aujourd'hui que la légitimité ne s'octroie pas à l'étranger, cherche maladroitement et dangereusement à évoquer le tribalisme pour détruire l'unité et la cohésion nationale que nous considérons comme le seul grand acquis de la Deuxième République. La DVI le met en garde, car au Congo, il n'existe pas de clivage ethnique que l'on observe dans d'autres pays africains. La preuve a été donnée par le plébiscite du candidat Fayulu, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La DVI demande donc au peuple congolais de ne pas suivre toute personne qui veut diviser le Congolais, car le Congo de Lumumba restera toujours uni et indivisible. De deux, à chaque fois qu'il lui est demandé de justifier son élection, connue de tous comme le résultat d'une escroquerie électorale sans précédent dans l'histoire des nations du monde, Monsieur Félix Antoine Tshilombo ne rate pas l'occasion de renverser la charge de la preuve. En droit fil de l'appel à l'ignorance et agitant l'épouvantail de preuves d'élection que le président élu Martin Fayulu n'aurait jamais présenté.
L'on se souviendra que, lors de l'audience du 15 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle, le collectif des avocats de Martin Fayoulou avait produit suffisamment de preuves de la victoire de ce dernier en apportant à la Cour des copies de procès-verbaux certifiés. Pour preuve, voici ce que le juge Corneille Ouassenda a déclaré dans son opinion dissidente, je cite, « Dans le cas sous examen, le procès-verbaux ont été déposés avant la clôture des débats, si bien que si la défenderesse avait voulu en prendre connaissance, elle en aurait demandé le temps. Ne l'ayant pas fait, elle a renoncé au droit au contradictoire consacré par la loi et la Constitution. Ainsi, les pièces en question ne pourraient être rejetées étant donné que la production des pièces faisant partie de l'instruction. Il en aurait été autrement si la Cour n'avait pas donné aux parties l'occasion de s'exprimer. En permettant aux parties de se faire entendre, la Cour a enlevé au procès le caractère scripturaire. Ainsi, elle devra considérer le moyen en question et il serait prématuré de dire que la demanderesse n'a pas produit de preuves pour appuyer sa demande. » Fin de citation. Dans tous les cas, conformément à la loi, c'est la CENI qui devrait transmettre à la Cour constitutionnelle sa décision avec tous les procès-verbaux des résultats des différents centres de compilation. Pour clore donc ce débat, M. Félix Tshilombo n'a qu'à exiger à la CENI la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, comme la DVI n'a cessé de le faire. Dans le cas contraire, il aura reconnu sa nomination par M. Kabila. Aussi, M. Tshilombo doit savoir que le preuve de résultats fournis par l'Église catholique et celle de médias internationaux provenant de la fuite des données du serveur central de la CENI sont éloquentes et n'ont, à ce jour, jamais été contestées par personne. De trois, quel est ce patriote congolais digne de ce nom, qui ne s'est pas senti humilié quand celui qui fait office de président de la République affirme à la face du monde qu'une rétrocommission n'est pas un détournement? Comment celui qui prétend être le magistrat suprême peut-il ignorer que la rétrocommission est une infraction sur pied de l'article 146, section 6 du Code pénal congolais? Il est regrettable que M. Félix Tshilombo admette qu'il s'agit d'une affaire de rétrocommission, c'est-à-dire d'une corruption au niveau de son entourage, sans condamner ni se distancer de l'affaire et demander à la justice de faire la lumière afin que le peuple congolais connaisse la vérité. Il est clair qu'il veut étouffer cette affaire et toutes les autres affaires de corruption du régime Kabila. Puisqu'il a reconnu publiquement que son directeur de cabinet a été, dans cette affaire de 15 millions de dollars, auteur de quelques maladresses, et qu'il a prétendu avoir dorénavant mis la dite affaire entre les mains de la justice, la DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de mettre son directeur de cabinet à la disposition de la justice. Toute autre attitude le rendrait de facto soupçonnable de complicité telle que stipulée par l'article 22 du Code pénal congolais. Aussi, compte tenu de la gravité de l'infraction, la DVI exige la tenue d'un procès public retransmis à la télévision et la radio pour que toute la lumière soit faite autour de ces 15 millions de dollars de décote sur l'argent dû aux pétroliers. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Millions de voix de suffrage valablement exprimés.
que nous avons devant vous la preuve. Voilà. Donc après de la presse, je vous prie donc de vous lever pour chanter. Longtemps couvé, et tous les bons prénoms les plus belles. Aucun dans la paix, citoyen d'arité, fièrement. Bonjour, Ndekonyoso Balandi, il y a trois fois .w.com. Tous allez copier sa advice, tous allez copier sa publicité moko pour Nanzela ya Info 16. Awa tous allez nakati ya Sheffield, donc tous allez copier présenter, tous allez copier représenter Sheffield, tous allez copier représenter Info 16 nakati ya Sheffield. Abengi bionyoso boza partout dans le monde, pour s'abonner nakati ya site nabiso oezali www.info16.com. Kota nakati okozoba information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSales website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it would give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here, is www.infosales.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko ta na Info 16, boko zwa information a solo. Please subscribe to www.info16break.com. Like the video, watch the video, info16break.com. Like the video, watch the video. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka, sit Ivan Omboka. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, la Kevin, hein. Agence 16, j'étais à Mila, Bazapoka, Tessa, Coca-Cola, toujours imité, mais jamais égal.